Nous sommes sur la centrale écluse de Chautagne. Cet aménagement joue un rôle majeur dans la conduite des opérations de gestion sédimentaire. La centrale continue à produire tout en absorbant les matières en suspension rejetées par le barrage suisse de Verbois. Rencontre avec les équipes d'exploitation. Par rapport à la gestion sédimentaire de l'abaissement partiel de Verbois, Chautagne est en production en permanence. Tout le débit qui transite par le Rhône passe par l'usine de Chautagne, sachant que le vieux Rhône est fermé. Donc la problématique, c'est le dégrillage des groupes. On a beaucoup d'apports de bois venant donc du Rhône, des Us et du Fier, où on a une équipe de dégrillage toute la journée et une équipe la nuit en cas de perte de charge. Les grillages, c'est enlever les bois qui sont au niveau des grilles des groupes de production. Actuellement, tout va bien. Il y a une grosse préparation avant l'appât vert qui permet d'être relativement serein avec des équipes optimisées pour cette gestion de l'appât vert. Tout comme à Chautagne, l'usine de Beulet reste ouverte pendant l'appât vert. On a un certain nombre d'opérations à faire de contrôle et de surveillance de nos installations pour que les machines restent en permanence opérationnelles et qu'on n'ait pas de défauts qui viennent arrêter une machine et compromettre la suite de l'opération.